Moi, je suis potier depuis 2004, donc c'est mon père qui m'a appris le métier. Alors, j'étais pas du tout parti là-dedans à la base, mais voilà, il y a quelques années, je lui ai demandé de m'apprendre le métier qu'il avait appris de son père. Donc, on est la troisième génération de potiers. On s'est installé en 2004 à Rennes-sur-Loup, et quand mon père a pris sa retraite en 2008, on a revendu notre atelier pour racheter l'atelier familial et revenir un petit peu aux sources et exercer notre activité à Salins. Moi, je travaille du grès, principalement parce que c'est une terre qui n'est pas poreuse, donc ce sont des choses qui peuvent rester dehors, donc style des boules comme ça qui sont plus décoratives. Donc tout reste en extérieur sans problème toute l'année. Et après, moi, j'essaie de jongler avec un utilitaire, mais pièce unique aussi, parce que c'est vrai que c'est dommage d'essayer de faire trois pièces pareilles, alors qu'il y a une infinie de possibilités en terre, autant au niveau des formes que des couleurs. Donc c'est un domaine qu'on n'arrivera pas à explorer jusqu'au bout, il y a trop de choses à faire, quoi. Donc, moi, je travaille beaucoup avec de la cendre de chêne et de vigne sur mes émaux, donc c'est une couleur qui est un petit peu laiteuse. En fait, quand on fabrique un émail, je cuis à 1300 degrés, donc je mélange différents minéraux pour obtenir un point de fusion, 1300 degrés. Et selon les minéraux qu'on va utiliser, on va avoir un émail qui va devenir mat, satiné ou brillant. Et après, on peut rajouter de l'oxyde dedans pour teinter l'émail. Avec les végétaux, si on prend un chêne qui pousse à côté d'un frêne, chaque arbre va puiser les minéraux dont il a besoin pour vivre. Et quand on les brûle, on les retrouve sous forme de minéraux. Et les cendres ont quasi toutes les propriétés pour rentrer en fusion à 1300 degrés. Et après, donc, si on prend un chêne, on va tirer sur des couleurs un petit peu verdâtres. Si on prend un hêtre qui pousse même à côté de ce même arbre, on va avoir d'autres teintes parce que chaque essence a ses propriétés propres à elle. Moi, je travaille, donc on fait une bonne partie principalement de l'utilitaire, pièce unique quand même, donc des assiettes, des bols, des plats. Toute une partie décorative, donc plus des vases, de la belle pièce unique aussi modelée. Et en extérieur, on a fait des choses pour décorer les jardins, donc des fleurs, des coquelicots, des sculptures, on fait des fontaines aussi. Et justement, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est une terre qui reste fermée, qui n'est pas poreuse, donc qui peut rester toute l'année dehors. Et on a profité du confinement l'année dernière où on avait un petit peu plus de moments en calme pour mettre en place tout ce qu'on voulait faire en extérieur pour inviter les gens à descendre dans le jardin et découvrir les œuvres qui sont en extérieur. Donc on a fait des systèmes planétaires aussi avec du cerclage en métal. C'est toujours intéressant d'associer différentes matières, différents matériaux, donc la terre, le fer, le bois, le verre. Donc on essaie de marier tout ça et avec le temps, ça évoluera encore.